ce jeudi 9 juillet à 10h, Info 83 a rencontré Jonathan Pélissier, nouvelle recrue du RCT qui jouait précédemment pour l'équipe de Montpellier. Oui, bien sûr, forcément, la période de repos nous a fait à tous beaucoup de bien. Maintenant, voilà, on rattaque par une belle période, sous un gros soleil en plus. Donc oui, voilà, très content d'être là. Effectivement, c'est un gros challenge dans une très belle équipe, avec beaucoup de joueurs avec des grands noms. Donc voilà, il faut être à la hauteur de tout ça, de tous ces joueurs, de cette équipe qui est au plus haut depuis quelques années. Donc voilà, c'est sûr que ça va être un gros challenge. Forcément, il faut, je pense, jouer avec un petit peu de pression, mais plutôt de la pression positive. Il ne faut pas trop s'en mettre, parce que si on s'en met trop, après, ça peut annihiler tout notre jeu. Donc voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu pour savoir se lâcher complètement et respecter le niveau de l'équipe, ou du moins essayer de l'atteindre. Une grosse concurrence à un poste permet de se jauger, permet aussi de progresser. Voilà, il y a Sébastien et Eric, donc forcément deux très bons neufs. À moi maintenant de me servir de ça aussi pour élever mon niveau. Ouais, c'est vrai que c'est un peu insolite de se retrouver ici, mais voilà, je suis content aussi de retrouver Eric. C'est un bon mec et un très bon joueur aussi. Il est encore très jeune, et pourtant voilà, c'est un gros potentiel, un gros joueur. Donc oui, forcément je suis très content de le retrouver ici. Maintenant voilà, il va falloir se projeter sur la saison et les entraînements pour commencer. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre de tous les joueurs, la régularité. De temps en temps, on arrive à avoir des années où on peut être très régulier. De temps en temps, malheureusement, à cause de quelques blessures ou voilà, des aléas personnels ou professionnels, on peut être un peu plus irrégulier. Mais c'est sûr que voilà, c'est le challenge de tout joueur de rugby ou de tout sportif de haut niveau. Il faut savoir être régulier, c'est ce qu'il y a de plus dur dans notre métier. Bien sûr, ben forcément, on aspire tous à devenir numéro un dans tous les clubs. Maintenant, voilà, le challenge, il est difficile pour tout le monde. Maintenant, il faut savoir prendre tout ça avec du recul et du respect. Voilà, ne pas trop se monter la tête. Il faut rester humble dans sa position et dans son comportement. Et après, voilà, si avec un peu de chance et beaucoup de rigueur, les choses viendront d'elles-mêmes. J'aimerais un jour y revenir, mais ça passera par beaucoup de travail et beaucoup de précision et de régularité. Donc voilà, mais c'est sûr que ça reste dans un coin de ma tête, comme tout le monde. Merci.